Bon, donc on vient tout juste de revenir de l'expérience immersive Oasis. Donc, pour vrai, moi j'ai vraiment apprécié. C'était pas mal ce que je m'attendais là. Ce que j'ai le plus aimé, c'était quand ça parlait de l'astronaute David Saint-Jacques. Je trouvais ça super intéressant de voir son parcours, de voir qu'il a fait 1000 choses avant d'être un astronaute. Genre, c'est un surhomme là. Il a fait médecine, ingénieur, puis. Astrophysicien, comme. Tu sais, qui est capable de faire ça? Comme JP disait, c'est un homme qui faisait attention à son temple. Son temple étant son corps. Donc, vraiment, ça m'a impressionnée. Tu sais, j'en aurais pris, je pense que j'aurais écouté comme un reportage de comme 1h30 sur David Saint-Jacques, là. David Saint-Jacques, le pêcheur de coquilles Saint-Jacques. Non, c'était beau, c'était le fun, tu sais. C'était quand même dispendieux, là. C'est comme 30$ le billet par personne. Mais en même temps, tu sais, pour tout ce que ça coûte faire ça, tu sais, comme les projecteurs, les images, tout ça. Donc, c'est sûr que. Hey, c'est quoi qui se passe? Il y en a qui n'ont pas pris leur café le matin. Mais non, moi, je suis pas déçue. T'as-tu aimé ça, toi, JP? Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Non, c'était. Une belle avant-midi. Ouais, c'est une belle avant-midi. Là, on s'en va au marché à Twater. Puis, on va aller à la SAQ à Twater parce qu'ils ont des bonnes bouteilles que. On dirait que je trouve pas ailleurs. Puis ce soir, on se fait une petite date night. Bientôt 17h, l'après-midi a passé vraiment trop vite. J'en ai profité aujourd'hui parce qu'il faisait vraiment très beau là, pour laver les vitres à l'extérieur. Récemment, il y avait l'équipe de nettoyage qui était venue pour nettoyer de l'autre côté, là, tout notre côté salon-cuisine. Sauf que là, eux, ils font pas derrière, donc pour la porte patio, puis la fenêtre de notre chambre, parce que tu sais, on y a accès avec le balcon. Fait que ça, c'est à nous de le faire, puis je vous dis, c'était nécessaire. Il y avait de la toile d'araignée, c'était dégoûtant. Donc là, ça a fait vraiment un bien immense. Ça a fait passer l'après-midi. On a installé aussi les petites lumières à l'extérieur pour le début des petites soirées chaudes. Donc, on a bien hâte de profiter de notre balcon cet été. Puis là, je me suis changée parce que j'étais... premièrement, c'est quand même assez frisquet dehors. Là, aujourd'hui, il fait super beau, mais c'est frais. Puis, ben, je me suis salie là, en faisant ça. Ça coulait noir, là. C'était vraiment dégueulasse. Puis, imaginez-vous donc qu'on a eu des plaintes. C'est la première fois qu'on a des plaintes à notre condo. Tu sais, on n'est pas des gens qui dérangent. Puis, même si JP, tu sais, il est DJ, il fait de la musique, il compose de la musique, tout ça. Tu sais, on est toujours méga respectueux avec les gens qui vivent dans l'immeuble. On met pas la musique fort, on n'est vraiment pas dérangeant. Puis là, à cause qu'il y a eu un peu d'eau qui a tombé du balcon, ça a tombé sur les autres balcons en dessous, le propriétaire m'a appelé sur mon cellulaire, puis il m'a dit « Là, c'est quoi cette affaire-là? J'ai eu 8 plaintes. » 8 plaintes! Je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'il en met plus, c'est qu'il faut, mais Colin, tu sais, ça a été plus fort que moi, j'y ai répondu, mais tu sais, pour les fois qu'on dérange... T'sais, on s'excuse, là, mais c'est de l'eau, tu sais. C'est pas non plus... J'ai pas pitché un bac d'eau en bas, là. C'était juste comme des petites gouttelettes, là, du fait que j'ai nettoyé mes vitres, là, tu sais, franchement. Fait qu'en tout cas, ça m'a comme agressé un petit peu. Ça nous a donné le goût d'avoir notre propre maison, d'avoir la paix. Tu sais, vous savez ce que c'est, là, ceux qui ont leur propre maison, là. Donc, là... je vais aller préparer un petit pique-nique parce qu'on s'en va au parc Jacques de Liesep. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est à l'aéroport de Montréal. Nous, on habite quand même assez proche. Là. C'est à peu près un 15 minutes de voiture pour s'y rendre. Puis, ben c'est ça. L'objectif, c'est juste, on s'assoit dans des petites estrades, coucher de soleil, puis on s'en va voir les avions décoller, atterrir. Pour vrai, là, c'est assez impressionnant parce que les avions, ils passent juste en haut de notre tête. Fait que des fois, je suis comme « Oh my God, ça va tellement crasher » puis ça me fait un petit peu peur, là, genre comme... En tout cas, fait que c'est vraiment le fun, c'est super romantique. Lose my mind. Lose my mind.
things I feel. If I hold back, maybe they're not real. What if I don't and just let you deal? Would you go? Let me know. So, what if I just lose my mind? Make a scene and run around. Show you what I feel inside all the time. Donc, on est au parc de Jacques de Lesseps. Exactement. J'avais de la misère à le dire. Pour le moment, c'est un peu décevant parce qu'on a juste vu les départs. Mais les départs sont un petit peu plus loin sur une autre piste. Fait que là, en fait, on attend pour 19h30 parce qu'il y a une avion qui vient de Salle 8. On a fait une petite recherche. Puis ça, c'est comme dans le nord du Québec. Ouais, elle ouais, mais elle est quand même loin. Non, elle s'en va au garage. Il y a la petite affaire en avant là, qui la traîne. Fait qu'on attend celui de 19h30. J'ai fou l'air de voir ça. Ça va passer en haut de notre tête, là. Youh! On est vraiment bien. Il y a un beau soleil, mais c'est un peu frisquet. Tu sais, je me suis amené une petite... Petit manteau d'hiver. Ben, une petite couverture, là. Une petite couverture, mais... On est bien. Il y a du beau soleil. C'est très romantique. Hein, je pense. C'est juste qu'il y a une mouette qui essaie de taxer dessus. Ouais. Pour rester à la... Elle est fatigante, la maudite. Mais c'est une belle soirée. What if I just lose my mind? Make a scene and run.